Bien ou quoi les gens, c'est Biggs, donc là on est avec Riwan. Donc Riwan, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Alors le thème d'aujourd'hui c'est devine la langue, épisode 5. On essaye de deviner la langue de ceux qu'on interroge. On demande aux gens de dire une phrase dans leur langue ou dans une langue qu'ils ont appris ou une langue qu'ils connaissent. Voilà. Et nous, on leur demande 4 propositions et dans les 4, on doit essayer de deviner la vraie. Combien de likes pour une partie 6? Voilà, mais peut-être 2000 likes, 5000 likes. Entre 2000 et 5000. Entre 2000 et 5000. Il n'y a pas de chiffre précis entre 2000 et 5000. Donc, si vous kiffez ce genre de vidéo, la cloche. Voilà, la cloche, abonnez-vous à la chaîne. Ouais. N'oubliez pas la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Parce qu'il y a des trucs qui vont vraiment sortir qui sont pas mal. Hein. Voilà, c'est pas mal, hein. Voilà, bientôt. Bientôt, le vaccin épisode 2, lui, c'est. Il veut faire que des épisodes du vaccin, lui. Bon, bref, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait. On vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Salut, ah oui, et essayez de deviner les langues et mettez en commentaire. Tu me dis une phrase dans une langue, tu me dis pas c'est quoi. Ogenki desu ka? Ok, ça veut dire quoi? Comment ça va? Alors, anglais, japonais, turc, français. Je crois que c'est japonais. Ouais, c'est ça. Una bila, per favor, pardon. Est-ce que c'est de l'espagnol, du portugais, de l'anglais ou de l'italien? Alors, là, je voudrais juste avoir la traduction, déjà. Une bière, s'il vous plaît. Alors, je veux que tu me répètes dans la langue. Una bila, per favore. Per favore? Ouais. Pienso que es la lengua portugal. Perdu. Perdu, c'est espagnol? C'est italien. C'est italien? Je suis italien. Il a proposé italien? Si, en dernier. J'ai dit en italien. Parce que moi, je parle italien aussi. Ah ouais? Bah, una bila, per favore? C'est pas ça? Por favor, c'est pas ça, c'est quoi? Non, tu comprends? S'il te plaît, toi. Attends. S'il te plaît, toi, donne-moi une bière. Non mais s'il te plaît. S'il te plaît. Por favor, là, pour le coup. S'il te plaît, genre, je sais pas. Va bene, va bene. Non mais... Oh merde. Tu m'as tué, putain. Eh, c'est un tueur. Franchement, c'était pas mal, mais je t'assure que c'est une phrase italienne. Hein, ça, je te jure que je te crois. Mais voilà, non. C'était italien, tu connais mieux. Ouais, bah c'est pour ça. Va bene. Ouais. Une phrase? Ouais. Je suis à Châtelet. Non, mais pas en français. Une autre langue que le français. Moi, je parle que français, moi. Mais là, il aura essayé, hein. Bonjour. Je m'appelle Maz, appelle-moi Maz. Allez, Maz, on t'écoute, dis-nous une petite phrase. Listen to me. C'est, ça veut dire quoi, listen to me? Voilà, je sais pas. We go to the mall today. Ça veut dire on va au centre commercial aujourd'hui. Tu peux me donner les 4 propositions? Espagnol, coréen, russe, anglais. Anglais. Ah ouais, c'est ça, oh, bravo. Sabalna. Anano. Non, c'est Sabalat Nozulum. Sabalat Nozulum. Sabalat Nozulum. Traduction, c'est comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est pas le fou, il dit, ça va très bien. C'est soit allemand, soit belge. Je sais pas comment on appelle. Ouais, belge. Et soit arabe. Il manque pas une petite langue? Non. Parce que là, j'aurais dit le culture. Hein. Quoi? J'aurais dit le turc. Non. Nozulum. Non. L'arabe? Non. C'est quoi alors? C'est allemand. C'est allemand? Tu veux me redire la phrase? J'ai oublié, mais je suis... T'as oublié? Ouais. C'est un truc comme as. Ouais. C'est-à-dire que c'est de l'allemand. Mmh. Moi, je suis pas sûr que c'était de l'allemand. Si. T'es sûr? Ouais. Ouais, c'était de l'allemand alors. Mmh. Bah, dans les commentaires, vous me dites hein, s'il y en a qui ont compris. Parce que moi, j'ai cru que c'était. Moi, au début, j'ai cru que c'était du turc. Mmh. Non, c'est pas du turc. Pas du turc. Hein. Bon, bah merci. Sono andato dal parrucchiere et mi ha dato 10 euros. Arabe, allemand, belge et italien. Moi, je dirais l'italien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Blavi, lagazzini, bloli, quateli. Ouais, quand même. Et tu connais la traduction ou pas? Non, je ne me souviens plus. Hein. Ok. Bah, ceux qui ont la traduction, écrivez en commentaire. Hein. Donc, donne-moi 4 propositions de langue. Anglais, espagnol, ouais. Italien, ouais. Polonais. Ça doit être du polonais, ça, non? Non. Non, même pas. C'est quoi? L'italien. Non. Sérieux? Redis la phrase. Blavi, ragazzi, ne bloli quateli. Ah ouais, chaud. Et t'es italien? Ouais, j'suis italien. Ah ouais. Et tu sais pas ce que ça veut dire? Non, j'ai oublié, j'avoue. Et tu l'avais entendu où cette phrase, du coup? Bah, j'avais appris par moi-même, j'avais appris la langue, mais là j'ai oublié. En fait, t'as retenu que tous ces mots-là. Ouais. Et après, t'as oublié la traduction. Ouais. C'est un peu chelou, mais ok. Ouais. Salut à tous, nous sommes avec. Monsieur J. Monsieur J. Alors, du coup, monsieur J, donne-moi une phrase. J'essaie de la deviner. Ok. Ni tu ni tu me yang.
Ni tu ni sans mio. Et qu'est-ce que ça veut dire, la traduction? La traduction, c'est comment tu vas en ce moment. Alors, il y a quatre propositions. C'est, le premier, c'est coréen. Le deuxième, c'est chinois. Troisième, c'est vietnamien. Et quatrième, c'est japonais. Vietnamien, moi je dirais vietnamien. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Aucune hésitation? Aucune hésitation. Bah c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi du coup? C'est chinois. C'est chinois? Ouais. Tu me le répètes? Ni tu es chinois, je me dis. Ah ouais, c'est dur à répéter ça. C'est bien. J'aurais essayé? Ouais, bah c'est bien. C'est bien de tenter. Bien tenté? Ouais. On refait, tu crois une autre langue? Comme tu veux, mais tu veux pas trouver la langue du coup? Bah c'est chinois. Bah oui, ah oui. Libolo mamanayo. C'est quoi la traduction? Nique ta mère. Non, je peux te dire aussi des mots, t'as vu? Des mots sympas. Moi c'est Osa qui toque en maca, c'est Osa canon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fille, t'es trop jolie, t'es canon. Tu vois, on dit ça que des meufs, ils ont des grosses fesses. Ah ok. Voilà. Vas-y maintenant, donne-moi 4 propositions. Kounia maman. Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Genre 4 propositions de langue, ça veut dire. Tu vois ce que la phrase que tu viens de me dire, ouais. Ça, c'est une langue. Ouais. Mais dis pas c'est quoi. Tu la mets dans 4 propositions, par exemple français, anglais, chinois et arabe par exemple. Et moi je dois deviner c'est laquelle des 4. Ok. Ok. Fille. Ah, t'es très jolie. Il a pas compris. Il a pas compris. Putain de merde. Ah, j'ai pas compris. Sonike, Bambara, Wolof ou Lingala? Bambara? Ah non. Wolof? Non. C'est quoi? Lingala? Tu l'as mis en dernier? Ouais. T'as fait exprès? Ah ouais. Salut à tous, nous sommes avec Alfred. Alfred, alors Alfred, du coup, dis-moi, t'as une phrase dans une langue. Salut. Français. Ok. Langue étrangère. Ok. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Qu'est-ce que ça veut dire Ich liebe dich? Je t'aime en allemand. Je t'aime en allemand. Il a donné la réponse du coup. Ouais. Voilà, il a dit je t'aime. Je n'ai pas compris le concept, mais vas-y. Et que moi je propose en fait. Après je vous dis Ich liebe dich et vous devez trouver le. Voilà, exactement. Ok, vas-y. No comprendo que tu désires. Oui, la traduction. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est chinois, allemand. Espagnol, portugais. Alors moi j'hésite entre le portugais et l'espagnol. Et je dirais l'espagnol. Bah tu sais quoi, j'ai fait un mélange des deux. Un mélange des deux. J'ai l'habitude, j'ai dit no comprendo que tu disais. Ah ok, bah, c'était un mélange des deux, tu m'as bien eu. Hein. Non, même moi je me suis eu moi-même. Parce que même moi, je me suis dit, attends, ce que j'ai fait, j'ai mélangé les deux langages. Parce que, cidadão du mundo, adaptar con situación. Adaptar con tu situación, por favor. Venga, venga. Venga, venga. No tengo dinero. Ah, la camisa negra. Ghibli Warka. Ghibli Warka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ramène-moi une feuille. Okay. Vas-y, donne-moi les 4 propositions. Marocain, Algérien, Tunisien, Kabyle. Marocain? Non. Tunisien? Ouais. Ah ouais, t'es Tunisien? Ouais, je suis Tunisien. En fait, on le dit aussi en Algérien et Marocain. En Algérien? Ah, ok. Où ça parle créole? Ça veut dire, est-ce que tu sais parler créole ou pas? Et donc, du coup, c'est du créole? Ouais, c'est du créole, du coup. Une phrase, c'est une petite phrase. Ouais, genre con bye, mais c'est pas vraiment une phrase. Con bye? Ouais. Bah vas-y, fais-moi les 4 propositions du coup. Soit japonais, soit chinois, soit vietnamien ou soit thaï. Con bye? C'est dire quoi con bye? D'abord devine et je te dirai après. Il faut me dire d'abord, ça veut dire quoi? C'est un gros mot. Bah con bye, moi je dirais vietnamien. Ouais. Voilà. Mi gusta. Mi gusta, hein. Ouais. Ça veut dire quoi mi gusta? Pourquoi ça veut dire j'aime? Ça veut dire j'aime mi gusta. J'aime bien un truc comme ça. Et tu proposes quoi comme langue? Sicilien. Non mais là c'est très bien de toute façon. Italien, anglais ou espagnol? Je dirais l'espagnol. Toi-même tu sais, tu fais genre tu réfléchis, lui-même il sait. En belkédiam. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? J'aimerais savoir. Bonjour ou bien dormi. Alors du coup fais-moi les 4 propositions. Wolof, Swahili, Peul, Malinké. Bon je vais la tenter au hasard. Hein. Peul. C'est ça ou pas? Ouais, t'as trouvé. Je suis chaud, hein, t'as vu ou pas? Je suis chaud. Ouais. En quelle langue? N'importe quelle langue? Peu importe, mais tu me dis pas c'est laquelle. Ouais, c'est bon. Hein? C'est bon? Vas-y, dis-la. Dis la phrase. En quelle langue? Comme tu veux. Oh, t'as cru que j'allais deviner sans que tu le dises? Ouais. Je suis mentaliste. What's your name? Ok, ça veut dire quoi? Quel est ton nom? Ok. Ça se voit que t'as fait anglais LV2, toi? Ouais. Bah, je peux te faire d'autres propositions si tu veux. Oui. Oui. Vas-y go. Yanis Nai, arabe, peul, russe, japonais. Russe.
Ah non, tu connais. Je t'ai dit, je suis polyglotte. Je parle toutes les beaucoup de langues. Ah ouais, ouais. Ok, on y va encore parce que ouais. C'est parti. Bah, faut que je te gagne. Wonwali. Ah oui, la traduction. On vous remercie. Gerzé, Peul, Swahili, Soussou. Soussou. Mais comment tu fais? Je t'ai dit, je suis polyglotte. Non. Ok. Bah. Il en a plus en stock. Leipa Seibel. Ça veut dire quoi? Dès que c'est fait, c'est bon. Dès que c'est fait, c'est bon. Ok, vas-y, fais-moi les quatre propositions. Jamaïcain, Lingala, créole martiniquais ou haïtien? Jamaïcain. Haïtien. Pardon. C'est laquelle? Créole martiniquais. Créole martiniquais? Tu peux le redire ou pas? Leipa Seibel. Ça veut dire quoi déjà? Dès que c'est passé, c'est bon. Dès que c'est passé, c'est bon. Bon bah j'ai pas trouvé hein. Si t'avais pas trouvé.